I'll get a match started on the red pist. Estonia, Japan. Uyama Novosloj. On the pist number green, Pitra, Czech against Pizzo, the Italian one. On the pist yellow, Hungary, Switzerland. Stefan from Switzerland against Banai from Hungary. And on the blue one, the French guy, Jean-Michel Wisney against the German guy, Rein. So, l'Estonien mène 1 à 0 contre le Japonais pour le moment. Désolé, c'est vrai que j'étais en train de parler en anglais. Juste avant, j'étais en train de parler avec des gens en anglais et j'avais oublié de switcher avec le français. Donc, l'Estonien 1-0. Une minute de temps écoulée déjà. L'Estonien qui avait fait un excellent match contre le Russe Tikhomirov. Pas de point. Sur la piste verte, Pitrin, le Tchèque, prend l'avantage 4 à 3 sur Pizzo. Rein, l'Allemand, sur la piste bleue, est en train de mener 2-1 contre le Français. L'Estonien contre le Japonais. L'Estonien prend 2 points. 2 à 0. Le Japonais qui avait fait donc un match contre Bida, qui avait réussi à sortir Bida, le Russe. Un peu à l'arrache. La touche est double. L'Estonien pour le moment est confortable. Le score est de 3 à 1 pour l'Estonien. L'Allemand mène sur Jean-Michel Lusnay, 3-0. Pizzo, l'Italien, vient de prendre l'avantage sur le Tchèque, 6 à 5. Et l'Allemand toujours, qui fait un trou sur Jean-Michel Lusnay. Ah, très bien fait de la part du Japonais. Donc il fait un trou sur Jean-Michel Lusnay. 4 à 0 en faveur de l'Allemand. À 20 secondes de la fin du premier tiers-temps. Le Japonais qui vient de réduire le score 3-2 à quelques secondes de la fin du premier tiers-temps. Minute de pause. Stéphane Banai. Le score actuel est de... Il y a quelqu'un qui est devant. Je ne le vois pas, je vous le dirai un petit peu plus tard. L'Allemand mène 4-1 sur la piste bleue contre le Français Jean-Michel Lusnay. Et Pizzo est en train de faire le trou sur le Tchèque, l'Italien. Mène 10 à 7. Avec un match très en énergie. Je lui fais un total de 17 points en l'espace de 2 minutes 15. Ouais.
L'italien qui impose un rythme que le tchèque a un peu de mal à suivre. Hop, ça reprend. Le japonais contre l'estonien. Uyama contre Novoslojolov. Magnifique contre-attaque du japonais. 3 à 3. L'Allemand mène 5 à 1 contre Jean-Michel Lusnay. Et Jean-Michel Lusnay qui marque le point. Il fait un peu bouger la main de l'Allemand pour en prévenir derrière. Le prendre en attaque, 5-2 pour l'Allemand. Estonie-Japon, double, 4 à 4. Le Suisse, Stephen, contre Banaï, le Hongrois, 10 à 5 en faveur du Suisse. Les Suisses qui mettent 4 athlètes dans le tableau 32. Hein. Donc juste après la France. La France 6, les Suisses 4, l'Italie 3 et ensuite Corée, Japon, Russie 2. Le japonais est à l'avantage. Oh, magnifique, avec une très très belle attaque composée. Fixation à la main dans le pied. Une très belle attaque composée. Uyama, Japon, mène maintenant par 7 à 5 contre l'Estonien. Un jeu autrement plus intéressant que ce que nous a montré tout à l'heure le japonais. Il est beaucoup plus stable, beaucoup plus en appui. Le jeu, la touche est double, 8 à 6. Il bouge moins dans le vide. Et ça paye un peu plus. Incroyable, ouais. Très très bien fait. Très bien fait. Le problème du japonais, c'est qu'il alterne des attaques assez profondes, très précises et très profondes, très rapides, avec des fausses attaques. Et de ce fait, l'Estonien a beaucoup de mal à savoir quand est-ce qu'il peut faire la parade riposte. Il a du mal à attraper le fer au bon moment. Et là, il a fait sa tentative de parade, mais c'était une fausse attaque. Et du coup, le japonais s'en est très vite dégagé. Ça, c'est bien fait. Changement de rythme sur la petite marge de préparation. Il y a un blocage à distance. Accélération derrière, très bien fait. L'Estonien réduit le score, 9-7. Sur la piste verte, le Tchèque a pris l'avantage sur Pizzo. L'Italien, 14-13 en faveur du Tchèque. Très bien, vous voyez. Dès que l'Estonien essaye de prendre le fer et n'arrive pas à s'en dépêtrer, le Japonais. 10-7 en faveur du Japonais. Et Pitrin, le Tchèque, gagne contre Pizzo, l'Italien. 15 à 13. Le Suisse Stephen mène 12-7 en piste jaune
contre le Hongrois Banai. Et l'Allemand Reins mène 9 à 5 en piste bleue contre le Français Jean-Michel Lusnet. Alors le match reprend 10 secondes avant la pause. Le score est 11-7 en faveur du japonais. Voilà, donc maintenant c'est la pause. Alors piste bleue, le dernier tiers-temps vient de reprendre. Reine, l'Allemand contre le Français, Jean-Michel Lusnet. Pas de points. Le Suisse Stephen mène largement sur Banai, 12 à 8 en piste jaune. Petit problème technique. Sur la piste bleue. Allez, la rouge reprend. Dernier tiers-temps, 11-7 en faveur du japonais. 4 points de retard en 3 minutes donc pour l'Estonien. Et la parade riposte de l'Estonien qui ne touche pas la remise du japonais qui touche. C'est vraiment une anguille. 12 à 7. La parade riposte de l'Estonien qui touche. 12 à 8. Que c'est magnifique. Ah, il va très vite. Il nous fait un match vraiment très beau par rapport au précédent qui était très décevant, voire ennuyeux. Le japonais Uyama nous fait un très très beau match contre l'Estonien. Eh ouais, vraiment, vraiment, il alterne très bien. Et mène d'ailleurs, il mène largement 14-8, il se promène. L'Estonien est démotivé, il n'arrive pas à gérer, à bloquer. Et voilà, la touche, le japonais gagne et se qualifie donc dans les 16. Vraiment, bravo pour ce match-là. Sur la piste bleue, Jean-Michel Lusnet réduit le score, 9-6. Donc il est toujours à 3 points de retard, à 2 minutes 10 de la fin du temps réglementaire.